franchement, c'est un délire. On n'a pas l'habitude de voir ça, nous, ici. Hein. Berger urbain, c'est juste un éleveur à l'intérieur de la ville, c'est faire du pâturage en parcours et puis en même temps surtout avoir un rôle social d'explication auprès des publics sur qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, comment on élève les moutons. C'est simple, hein, vous êtes en Seine-Saint-Denis, les vacances c'est pas quelque chose de très régulier, ils ont autant vu le mouton qu'ils ont vu la mer quoi. Chez moi j'entendais les moutons au loin. Et du coup, je me disais, mais il y a quelqu'un qui a acheté un mouton dans un appartement. Et du coup, j'ai regardé par la fenêtre et c'est là que j'ai vu les moutons. C'est la première fois qu'on voit des animaux de ferme ici. Hein. Bah, y a plusieurs choses. On a soit les enfants qui découvrent et qui font « Oh, c'est ça les côtelettes de mouton, quoi !» Et puis, il y a aussi tous les gens qui ont une évocation autour de qu'est-ce que c'était chez eux avant, que ce soit aussi bien chez nous en province ou alors sur toutes les différentes générations d'immigrés qui, eux, ont un côté évocateur et qui très, très vite nous disent comment, eux, ils géraient l'élevage sur place. Apporte un petit moment de bonheur aux gens dans la ville, un petit moment de surprise et d'enchantement qui les réveille un petit peu et qui leur dit que la ville c'est pas si terrible que ça. On n'a pas l'habitude de voir des moutons dans la rue ou dans une cité. J'en ai déjà eu l'habitude d'en toucher parce que pour des fêtes. C'est un délire, on n'a pas l'habitude de voir ça nous ici. On est plutôt les petits qui tournent, qui jouent au football, tout ça, mais sinon on n'a pas l'habitude de voir ça. Je comptais marcher dans la cité comme d'habitude, je me pose voir mes copains, tout ça, et là je vois des moutons. Drôle de coïncidence, je suis choqué. La vie, carrément, je les ai snappés et tout. Moutons dans la ville, vous voyez bien. On dirait que du bendo. C'est fantastique. Être berger à l'intérieur de la ville, c'est essayer de réfléchir à comment on peut travailler du vivre ensemble ou du mieux vivre ensemble. On veut plus de moutons et moins de béton. Et voilà.